Zami, auditeurs, auditrices, nous saluons, gros bonsoir pour nous tous, ou même en cap côté, revue, nous toujours côté pour chaque, les cinq grands championnats au fin joué dans vraiment pays respectifs. Nous pour aller en France, nous présentons le résultat qui était joué dans le championnat de France. Il y a une équipe Lille qui a joué contre l'équipe en Strasbourg. Et match football, ça, c'est un goal dans chaque camp. Et puis, c'est Monaco qui bat l'équipe à Brest là, 2 goals à 0. Gagné Paris Saint-Germain, lui-même qui a joué contre Dijon. Et mes Parisiens ont écrasé l'équipe de Dijon, 4 goals à 0. Doublé de Kylian Mbappé. Et plus, et l'autre match qui a gagné, match phare journée, c'était l'équipe Lyon qui a joué contre l'équipe Olympique Marseille. Là. Nous connaissons Olympique de Marseille et qui fait premiers amis ensemble avec Jorge Sampaoli, eh bien, Messi Sayo, yo même yo fait un goal partout. Match football là fini dans le camp équipe lyonnaise là. Yo marqué un goal et puis dans le camp équipe et Olympique de Marseille là, c'est un goal partout. C'est comme ça, bagaille dans et résultat qui était fait dans le championnat de France de football. Et bien, dans le classement championnat ça, gagné équipe Lille là. Lui-même qui toujours en première position, Lille en première position avec 59 points, et suivi par Paris Saint-Germain qui gagne 57 points, et puis Olympique en Lyonnais gagne 56 points, Monaco et lui-même il gagne 55 points, il est en quatrième position, et soit chercher l'équipe en Marseille là, c'est en septième position, et lié. Et plus en bas classement, gagne Dijon qui lui-même est dernier avec 27 points. Et plus, Nantes a gagné 27 points, li en 19e, Nîmes lui-même, li gagné 27 points, li en 3e position. Ça veut dire que c'est trois équipes, ça y est, même si championnat, campé là, et yo même qui a descendu. Classement buteur, c'est Kylian Mbappé, lui-même qui a mené classement buteur, championnat de France de football. Pour y a, nous pour aller en Allemagne. En Allemagne, gagné vraiment équipe en Bayern Munich là. Équipe en Bayern Munich lui-même qui lui-même a joué match par lui, l'écraser équipe en Cologne là. Équipe en Bayern Munich a écrasé Cologne 5 goals à 1. 5 goals à 1. Bayern Munich c'est Ekan Choupo-Moutinho qui était au Viscoa. Robert Lewandowski était marqué en doublé. Et puis Serge Gnabry, c'est Messi ça qui était marqué pour l'équipe en Bayern Munich qui écrasé l'équipe en Cologne là. Et 4, 5 goals avec 1. Et plus on gagne équipe en Borussia Dortmund, nous gagnons qui temps là qui n'a pas fait victoire. Et même Borussia Dortmund qui a joué contre l'équipe en Amania. Amania et Libata 3 goals à 0. Gagné Renier est vraiment ancien joueur équipe Real Madrid a prêté à équipe Borussia Dortmund qui marqué et plus on gagné monsieur le Jordan Chanso lui-même qui marqué pour équipe Borussia Dortmund et lui-même qui écrasé équipe Allemagne qui t'a fait un rançon ensemble avec Bayern Munich et qui t'a battu équipe Bayern Munich là qui t'a fait match nul en disons mieux avec Bayern Munich 3 goals partout et c'est comme ça et bagayo t'es dans championnat et d'Allemagne de football et c'est comme ça yoyé gagné équipe Eintracht Francfort là qui t'a joué avec Werder Bremen Eintracht Francfort et lui-même il bat équipe et équipe Eintracht Francfort là qui perdit devant équipe Werder Bremen 2 goals à 1. André Silva t'a marqué et puis Théodore ensemble avec Joss et qui était lui-même marqué pour équipe et Yoele Werder Bremen. C'est comme ça résultat a en Allemagne pour qu'il y a ces classements qui mon qui gagne c'est équipe Bayern Munich qui devant dans classement vraiment championnat ensemble avec 52 points et suivi par RB Leipzig qui gagne lui-même 50 points en deuxième position Wolfsburg lui gagne et vraiment 45 points en troisième position Eintracht Francfort lui gagne 42 points lui en quatrième position et plus Borussia Dortmund lui-même lui gagne 30 9 points, il est en 5e position. Leverkusen en 6e position à 37, en 37 points. Et plus, Schalke 04 a gagné, lui-même en dernière position à 23 points. Mainz 05 en 23 points en 17e position. Et puis,
Armania li même li gagné et Aminia li gagne 22 points li en 16e position. Ça t'avait dit si championnat campé là, c'est équipe ça même cap descendre dans 2e division allemande. Et plus dans classement buteur, c'est Robert Lewandowski li même qui gagne classement buteur ensemble avec 28 goals. Robert Lewandowski et plus Messi Ouelé, André Silva, lui-même, lui, en classement buteur à tout, et vraiment qui derrière, et Messi Ouelé, et Robert Lewandowski. En Angleterre, et c'est journée qui t'a vu dans le week-end ça, il y a équipe en Tottenham. Équipe en Tottenham, après un mauvais moment, équipe ça t'a passé, il y a un gars de balle qui marque, ils ont doublé, ils ont même qui battent l'équipe en Benley, là, 4 goals à 0, et puis Eriksen, Lucas Moura, c'est Mounsayo qui marque 4 goals, doublé de gars de balle, ils ont goal de Eriksen, et puis Lucas Moura, c'est Mounsayo qui fait triomphant pour l'équipe Tottenham. Et puis, bon côté, l'autre match qui t'a gagné dans la journée, c'est Manchester United qui t'a joué contre l'équipe. Et Chelsea a un match à et après vraiment 90 minutes là c'est 0 goal partout et messieurs neutralisé au match football là qui finit 0 goal partout. Chelsea avec l'arrivée de messieurs et le Thomas Tuchel là qui a marché sur une bonne série dans première ligue là qui lui même pour concéder en qu'une défaite. Liverpool lui même bon côté par l'équipe de match où Liverpool Sheffield United et 2-0 équipe en Liverpool là bas c'est Johnson et puis Brahanson qui était marqué contre Kanan qui peut mettre équipe et ça battre lui-même 2-0. Gagné équipe Arsenal là qui t'a gagné équipe Arsenal là qui t'a vu content équipe Leicester City a et ben et Leicester City lui-même qui perdu devant équipe Arsenal là 3-1. David Luiz a marqué, Alexandre Lacazette a marqué sous pénalité et plus Nicolas Pepe qui marqué et puis Youri Tielemans bon côté équipe Leicester City a lui-même qui t'a marqué et pour équipe Leicester City a qui peut mettre yo battre équipe l'équipe est vraiment Leicester City a 3-1. C'est comme ça bagaille yoyé. Gagné Manchester City qui t'a joué match partout qui bat équipe et qui bat équipe il t'a joué ensemble avec la qui c'est West Ham, il bat lui vraiment difficilement équipe Manchester a bat West Ham 2-1 et qui yo même Manchester City qui toujours lui même qui est tête classement championnat ça. Yon goal de Ruben Dias et puis Johnstone a été marqué pour équipe Manchester City a et puis te gagné Messi Antonio qui te réduit score pour équipe West Ham United là c'est comme ça bagaille Everton dans lui-même la joue match pas là demain dans championnat pour équipe équipe Everton a joué demain si Dieu veut et Koulia dans classement en Angleterre classement c'est Manchester City qui gagne 62 points et plus équipe Manchester United là gagne 50 points Leicester gagne 49 points en 3e position West Ham United 45 points Chelsea après messieurs te baissé avec Frank Lampard qu'on a gagne 44 points en 5e position Liverpool 43 points en 6e position Everton dans lui-même équipe ça en 7e position li pou ko jouer et puis Sheffield United dans 26 points dans bas classement et puis et Albion 26 points en 19e position équipe Fulham nan li même qui gagne et 26 points tout en 18e position pour Koulia nous pour aller en Italie vraiment tu gagne en pile bel match dans championnat italien gagne équipe en Genoa qui t'a dans déplacement la caille équipe Inter de Milan qui lui même écrasé équipe Genoa 4-3 Romelu Lukaku Matteo Darmian et puis Alexis Sanchez qui marqué pour équipe Inter de Milan et puis Sampdoria qui était en déplacement la caille équipe Atalanta qui perdit 2-0 équipe Atalanta battli et plus tu gagne Milan qui t'a joué contre équipe Iorelé et Roma et ben équipe Milan a lui-même lui fait victoire 2-1 et équipe Milan a lui-même lui bat équipe Roma et plus on gagne Naples qui t'a joué Zlatan n'a pas marqué et pour équipe Milan CA qui bat difficilement équipe équipe Roma maintenant et non championnat si là
Et plus ça gagne Juventus qui fait match nul, match Juventus t'a joué, Juventus en fait match nul, Cristiano Ronaldo t'est marqué pour équipe Juventus ça, et plus ça équipe Yorélé vraiment et Las Verona t'est égalisé qui peut mettre un match football là, t'est fini et un goal dans chacun et Cristiano qui pas fait victoire week-end dans là et pour équipe Juventus là. Et Benevento Naples c'est 2-0 équipe Naples battant équipe Benevento dans championnat d'Italie de football. C'est comme ça bagayo yez amis auditeurs auditrices. Dans classement championnat si là, gagne équipe Inter de Milan qui gagne 56 points, Milan c'est en deuxième à 52 points, Juventus en troisième à 46 points et plus équipe Atalanta de Bergame non, li gagne 46 points, li en quatrième position. Romeo en cinquième position et plus Napa en sixième position, Lazio en septième position. Équipe qui en dernier dans classement, c'est Crotone, Palma et puis Cagliari, c'est équipe ça yo. Classement buté en Italie, c'est Cristiano Ronaldo 19 goals suivi par monsieur le Romelu Lukaku qui gagne lui-même dans classement, c'est 18 goals. Chiro Immobile, monsieur ça lui-même gagne 14 goals dans championnat vraiment d'Italie de football. Dans dernier championnat nous aller c'est en Espagne. En Espagne, gagne bel match qui te joué équipe FC Barcelona qui t'a joué contre équipe Sevilla et ben Barcelona yo battant équipe Sevilla 2-0. Lionel Andrés Messi t'a marqué pour équipe FC Barcelona et t'a pas gagné Ousmane Dembélé sur un passe de Lionel Andrés Messi qui marqué vraiment qui t'a marqué pour équipe FC Barcelona. En Espagne nous connaît Real Madrid a joué demain si Dieu veut les mêmes match pas là. Gagne Atlético Madrid qui t'a joué contre équipe Villarreal là, et bien équipe Atlético Madrid a battu Villarreal là, 2-0. C'est comme ça, bagayo yé en Espagne, bagayo pas tellement bon pour les hommes vraiment de monsieur Villarreal qui perdit devant équipe Atlético Madrid là, 2-0. C'est vraiment Alfonso et puis Joao Félix qui était marqué. Alfonso qui marqué contre Kan. Gen Celta Vigo qui t'a joué ensemble avec Real Valladolid. Match a fini un goal dans chaque camp et pour eux même yo messieurs yo séparé yo du match football ça. Et puis Cadiz qui t'a vu contre Betis. Cadiz a perdu devant équipe Betis là, un goal à 0. C'est Juanmi et Jiménez qui marqué à la 84e minute en DG. Comme nous dit déjà, Real Madrid lui-même en Ligue 1 rendez-vous demain si Dieu veut ensemble avec l'équipe Villarreal là pour y aller toquer Konyo et toujours dans le championnat d'Espagne de football. Dans le classement buteur, c'est Lionel Andrés Messi lui-même qui vient dans la tête à 19 goals et puis Luis Suarez à 16 goals dans le classement buteur championnat d'Espagne de football. Et classement en attendant, Atlético Madrid gagne 58 points et puis FC Barcelone gagne 53 points. Real Madrid avec un match l'a joué demain si Dieu veut, il gagne 52 points en troisième position. FC Séville qui perdit devant équipe FC Barcelone non, il gagne 48 points et puis en cinquième position Real Sociedad qui pourra jouer avec Real Madrid gagne 41 points et lui-même en cinquième position. Betis 39 points, il est en sixième position. Villarreal 7e avec 37 points et plus va chercher équipe qui en dernière position, c'est équipe Huesca qui gagne 25 points, 20 en 20e position, Elche 24 points 19e position, Deportivo Alavés 25 points en 18e position. Zami auditeurs, auditrices, voilà, c'est là nous camper ensemble avec vous dans édition si là nous saluons, nous dou merci du fait que vous t'étendez nous.